Hey tout le monde, c'est Falto. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une aventure qui s'est passée quand je jouais à Minecraft avec mes cousins. Donc, c'est le soir d'Halloween, on avait regardé une vidéo de XDX, ouais, c'est ça, ouais. Et après, on a voulu faire une partie de Minecraft parce qu'on adore ce jeu. Et donc, on joue, on commence à construire la maison, tranquille. On pêche et là une personne se fait taper. Donc on dit ouais. Bon, ça c'est un bug et tout. Après on dort, il revient, il se fait taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On dit, mais il y a un problème là. Après ça passe à une autre personne, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après, et là tout le monde se fait taper. Donc on voit qu'une situation et on ruine. Donc on marque des panneaux. L'héroïne est tu là, on construit ça. Et avec une grande surprise, il nous répond. Alors là, sur le cul. Donc, après ça, on décide de continuer des panneaux pour essayer d'obtenir des informations. En fait, l'héroïne, il vient quand il veut. Nous, on essaie de manquer des fois, il nous met un panneau, après il casse. Et soit il n'en met pas du tout. Donc après Etis, que je sais présenter, je joue à lui. Tiens, on parle de lui. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de lui, dites-le moi en commentaire. Et pour faire ça, mettez-moi un énorme pouce bleu. Explosez-moi la barre des likes. Je veux qu'aujourd'hui vous m'explosez la barre des likes. Un record de likes sur ma chaîne YouTube. Parenthèse fermée alors. Donc voilà. Donc il est parti pour aller miner. Et en revenant, il explose sur TNT. Donc, mais je n'ai pas enregistré parce que je jouais sur tablette et vu que ma tablette est un petit peu vieille, je peux pas installer de logiciel de capture. Moi-même, j'étais déçu. Hein. Et voilà quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui nous est resté. Le héros une fois dans notre vie sur Minecraft PE. On ne l'a pas évoqué, on n'a rien fait sans mode. Je vous promets. On n'a rien fait du tout. On était en train de mener notre vie tranquille, comme d'habitude. Jusqu'au moment où Héroïne est arrivé, quoi. Tellement qu'on a eu peur, on a supprimé la partie. Mais sur le coup, on a eu peur. Il est en train de brûler la maison. La forêt était en train de brûler. On a récupéré son briquet. On fermait la maison, on partait. Le soir en revenant, t'avais des citrons partout, t'avais le lit cassé, pas des animaux, mais t'avais n'importe quoi. T'avais des objets à l'intérieur des cadres qui étaient tournés, fait voilà. Ça, je voulais en parler à du monde, parce que c'était le Halloween dernier. 2016. Et c'est la seule fois que je. Et en plus, on le voyait pas quoi. Parce que dans la logique, il doit être invisible quoi. Enfin, invisible. On doit pas le voir. Donc, juste pour vous dire un truc, tous les totems sur YouTube sont des fakes. Ça ne marche pas. Nous, on a essayé tous les totems de Minecraft PE. Ça n'a pas marché. Une seule fois. Aucun. Donc c'est pour ça. Arrêtez de faire les totems, ça ne marche pas. Essayez de jouer dans votre partie tranquille. Si vous êtes sur Minecraft PE, nous on l'a eu. Minecraft PE, le vrai. Sans l'invoquer, sans rien. On n'a rien demandé, on ne le voulait pas. Il est venu comme ça. Donc voilà. C'est juste pour vous parler de mon histoire. Notre histoire, parce qu'on était 4, et notre histoire avec Héroïne. Et voilà quoi. Donc si vous voulez que je fasse d'autres vidéos tuto sur Minecraft, dites-le en commentaire. Et mettez-moi un gros like pour le faire savoir. Et abonnez-vous, j'ai vu compter 138, ça fait extrêmement plaisir, c'est un nombre énorme pour moi. Donc si vous voulez me faire atteindre les 200 abonnés avant Noël, c'est parti. Partagez la vidéo, likez-la, commentez, et abonnez-vous. Et moi je vous dis ciao pour le prochain. Ciao pour la prochaine vidéo.